Écoute, Amarim Tania, nous sommes à la page 48, Perek Yutet, Chavdalet Amoud Bet, et nous allons reprendre quatre lignes par le bas, Kiprinat Achorchma Shebenefesh. Dans ce Perek, l'Admor Hazaken répond à l'une des questions que nous avons posées dans le Perek précédent, au sujet de la Vam Souteret, de l'amour caché que nous avons hérité des Avot. La question à laquelle il répond dans le début du Perek Yutet, c'est en quoi, quelle est l'aspiration de cette Avam Souteret? Pour ça, il nous a donné, l'Admor Hazaken nous a donné l'exemple d'une flamme, de la même façon qu'une flamme souhaite quitter la mèche et rejoindre sa source sans aucune logique, parce que en cela elle va disparaître. De la même façon, notre Neshama a cet attrait pour HaKadosh Baruch Hu, comme un aimant. Il n'y a pas de pourquoi, il n'y a pas d'explication, c'est comme ça et pas autrement. Voilà ce à quoi aspire notre Neshama du fait de cette Avam Souteret, de cet amour caché qu'elle porte en elle pour HaKadosh Baruch Hu et qui lui a été transmis par les Avot en héritage. Nous avons aussi appris que cet Avam Souteret se situe au niveau du Koach HaChorma de notre Neshama. Nous en avons beaucoup parlé dans le Perek Yutret. Et nous avons expliqué que ce qui caractérise Chorma, c'est le Bitoul, le fait de s'effacer devant HaKadosh Baruch Hu. Je ne veux plus rien pour moi-même, je ne veux que Dieu. Et c'est d'ailleurs ce qui caractérise le côté de la Kdusha. Le côté de la Kdusha est celui qui se définit par le Bitoul, là où le côté des Klipot se définit par l'ego. Et nous avons associé à la Kdusha la vie et au Klipot la mort. Et la Nourazaken continue et il dit « Kiprinat achorma shebenefesh elokit im nitzut elokut meor insov baruchu amlu bashba chorma shebenefesh » Nous avons parlé dans le Perek Yutret, le shoresh de notre avam souteret, l'origine de notre avam souteret, avec l'étincelle divine qui s'y trouve. Or insov brille en direction de chorma et éclaire les autres kochot de notre neshama, les autres facultés de notre neshama. Alors pourquoi ça ne fonctionne pas? Puisque j'ai ça en moi, j'ai ce potentiel en moi, qu'est-ce qui ne marche pas? Qu'est-ce qui fait que j'ai des obstacles et des épreuves à surmonter lorsque je dois pratiquer Torah et Mitzvot, des efforts à faire? C'est normalement, ça devrait couler de source, ça devrait être automatique. Le problème est que Chochma Shebenefesh et Brinat Galout est en exil. Begoufam, dans le corps, Benefesh Abami, dans l'âme animale. Ça veut dire quoi en exil? Lorsque quelqu'un est en exil, ça veut dire qu'il est toujours là, mais du coup, il fait plus ce qu'il veut. Il fait ce qu'on lui dit. Il va dans la direction où on lui demande d'aller. Eh bien, Chochma Shebenefesh, c'est une force, un attrait pour HaKadosh Baruch Hu, mais qui, lorsqu'il est en exil, va être du coup orienté dans une mauvaise direction. Mitzad HaKlipa Bechelal HaSmali Shebalev, du côté gauche du cœur. Amoleret Umoshelet Begufam, qui du coup a pris le contrôle du corps. Mais Sot Galut Hashrina, c'est ce que nous avions appelé dans les prakim précédents, dans le Perek Yud-Zayin, nous avons développé ce concept de Galout Ashrina. Pourquoi on parle de l'Ashrina? Parce que notre Neshama et l'Ashrina sont liés l'une à l'autre. Et lorsque notre Neshama est en exil, du côté des Klipot, eh bien, c'est l'Ashrina qui a sombré avec elle, du côté des Klipot. C'est pour cela que cet amour pour HaKadosh Baruch Hu, que nous avons dans notre Nefesh HaElokit, sa volonté, son aspiration est de rejoindre HaKadosh Baruch Hu, de s'attacher à lui. C'est pour cette raison qu'on l'appelle un amour caché pour HaKadosh Baruch Hu. Qu'est-ce qui le cache, puisque nous l'avons en nous? Elle est cachée par les clipotes, elle est cachée par mon ego. Alors en même temps, elle est cachée, mais elle n'est pas enfouie. On aurait pu appeler cette Ava, Ava Nelama. Je ne sais pas si la traduction est exacte. Un amour pour Dieu qui est enfoui au fond de nous. Ça veut dire au plus profond de l'essence de notre Neshama. Ce n'est pas ce que nous disons. Nous disons que cet amour pour Dieu est là. Il est simplement caché. Qui dit caché, dit qu'on peut le révéler plus facilement. S'il avait été enfoui au fond de nous, ça aurait peut-être été difficile de l'exploiter. Maintenant qu'on nous dit qu'il est seulement caché par les clipotes, par mon ego, alors je sais que le révélé est du coup tout à fait accessible. Elle est cachée par le vêtement sale que représentent les clipotes de poché Israël chez ceux qui commettent des fautes. Et c'est de là que leur vient l'idée de faire des fautes, leur vient de ce qu'on appelle Ruach Shtut, un vent de folie, c'est de la bêtise. Je vais expliquer tout de suite que Mamar Hazal Anan Chote Roulé, comme nos maîtres disent au sujet de la femme Sota qui tiste et tachat, je ne sais plus les mots du pasouk, ça m'échappe, Isha qui, il y a le mot Sota qui est rapproché du mot qui tiste, et une femme qui se détourne d'Akadosh Baruch Hu, mais on pourrait le lire aussi sous la forme qui tiste. Elle devient folle lorsqu'elle se détourne du bon comportement qu'elle aurait dû avoir. Et de là, nos maîtres nous apprennent l'enseignement qui dit que En Adam Choté, un homme ne commet une faute que s'il était investi d'un Ruach Shtut, d'un vent de folie. Pourquoi? Quel est le vent de folie qu'il a traversé? Il avait simplement envie de faire une avéra. Pourquoi tu dis que c'est un vent de folie? Il avait envie de profiter de telle et telle chose. Ça lui était interdit. Il s'est dit, c'est pas grave, je vais quand même en profiter.
Parce que ce qui lui a fait faire cette faute, c'est la folie de croire qu'il peut faire ce qu'il veut et ça n'aura aucune conséquence. Il ne sera pas en cela détaché d'Akadosh Baruch Hu. Il reste un bon juif. Il peut transgresser Shabbat, allumer une cigarette Shabbat ou venir à la synagogue en voiture. Il peut manger pas kasher, il peut épouser une goya, il peut faire ce qu'il veut. Il reste un juif intègre. Voilà, ok, un juif pas pratiquant, très bien. Il va déclarer, lorsqu'on lui demande où il en est, il va déclarer « je suis un juif laïque ». Je suis un juif. Il va jamais dire « je suis un goy ». Il va jamais oser dire une chose pareille. Parce que là, on a touché le point sensible. Il veut rester un juif. Chaque juif a en lui la volonté de rester un juif. L'erreur, c'est de croire que je peux faire ce que je veux et ma relation avec Dieu n'en a pas été affectée. Alors que c'est faux. Dès que je désobéis, ma relation avec Dieu en a été affectée et je me suis détaché d'Akadosh Baruch Hu. Cet attrait pour Akadosh Baruch Hu est si fort que lorsqu'il est bégaloute, comme on vient de dire, lorsqu'il est orienté dans la mauvaise direction, eh bien, ça va avoir des conséquences sur le comportement de ce juif, même par rapport à un non-juif. Un non-juif n'a pas cet attrait. Un non-juif aussi veut se faire plaisir. Je reprends. Le rabbi a expliqué cela une fois en expliquant que l'attrait pour les choses de ce monde d'un juif et l'attrait pour les choses de ce monde d'un non-juif ne sont pas les mêmes. Pourquoi? Un non-juif veut simplement profiter de la vie. Et donc, ce qui lui tombe sous la main, ce qui lui plaît, son hobby, l'attire et il va s'y investir et voilà. Un juif, ça ne vient pas seulement de son attrait pour les choses de ce monde. Ça vient du fait que cette aspiration puissante, au-delà de la logique, qui aurait dû être orientée vers Akadosh Baruch Hu, la Torah et les mitzvot, et Bifrinat Galout, elle est en exil, ça veut dire que maintenant elle est orientée vers dans une autre direction. Et c'est pour cette raison que lorsqu'un juif va plonger en direction des choses de ce monde, pour se faire plaisir, il ne s'arrêtera jamais. Au-delà de la logique et de la raison, il va dépasser les goyim sur ce terrain-là. Pourquoi? Parce qu'un goy, au bout d'un moment, lorsque la logique et la raison lui dit que bon, bah maintenant ça suffit, t'as obtenu ce que tu voulais, stop, un non-juif s'arrêtera. Un juif, lui, ne s'arrêtera pas. Parce que ce qui le motive, c'est cette aspiration pour Dieu qui a été orientée dans l'autre direction. Et la Noor Zaken continue, il dit. Et là, chez Galuta Zelifrinat Chorma, Enael Alifrina Mitpachet et Mimena. Attention, il faut distinguer qu'est-ce qui va être en exil. Ce n'est pas Chorma lui-même, mais ce qui émane de Chorma et qui aura un impact sur les autres facultés de l'âme et sur les autres membres du corps. Je vais juste continuer, terminer la phrase et je vais expliquer. Benefesh Kula Lachiyota qui le fait vivre. Aval Shoresh Vikar chez Brinat Chorma. Mais la racine de Chorma, chez Benefesh Elokit qui se trouve au niveau de l'âme divine, Bemorin, du cerveau, Enamit Labesh et Belvushak Diklipa, elle n'est pas affectée par les clipotes. Chez Belev, Bechalal Asmali qui prend une position au niveau du cœur, du côté gauche du cœur. Brinat Galut Mamash qui se retrouve en exil. C'est-à-dire que la Noor Zaken ici nous distingue ce que nous allons appeler Etzema Chorma. Et il passe tout à Chorma. Je traduis l'essence de Chorma. Je ne traduis plus Chorma maintenant, nous savons ce que c'est. Et il passe tout à Chorma. Et l'émanation de Chorma. En d'autres mots, il y a la graine et il y a ce qui pousse. Et c'est ma Chorma. L'essence de Chorma n'est pas affectée par les clipotes. Quoi qu'il arrive. Au mieux, elle peut être, comme on va dire tout de suite, endormie. Endormie veut dire qu'elle n'est pas sous un contrôle extérieur. Elle est endormie, mais c'est toujours moi le patron. Par contre, il y a itpash tout à Chorma, ce qui émane de Chorma. Ça veut dire l'impact de Chorma sur les autres membres du corps. Chorma techaye ba'alea. Et cette itpash tout à Chorma, cette émanation de Chorma, qui est dirigée vers les membres du corps, elle peut être en exil. Et c'est pour cette raison qu'au sujet du itpash tout à Chorma dont on parlait dans le parèque précédent, la Noor Zaken citait le pasuk Chorma techaye ba'alea. La Chorma fait vivre ce qui la possède, c'est-à-dire qu'on voulait parler de l'impact de Chorma sur les membres du corps, ce que j'appelle ici itpash tout à Chorma. Alors que dans notre pérèque, la Noor Zaken n'a pas cité le mot ba'alea. Il a seulement dit Chorma techaye, sans citer le mot ba'alea qui suit, parce qu'il voulait parler ici de etzem à Chorma, de la graine, du shoresh, de l'essence de Chorma qui n'est jamais en galoute. Et c'est ce qui va permettre justement, puisque la graine est toujours là, l'essence de Chorma n'est jamais affectée par les clipotes. C'est ce qui va faire que dans certaines situations, des situations d'urgence extrêmes, eh bien, Chorma, même chez les Rechaim, va se réveiller. Regardez ce que dit la Noor Zaken. Rag chez Bifrinat, Shina Berchaim. Elle est en sommeil chez les Rechaim, Napolet Pulata. Et donc, elle n'a pas d'effet. Napolet Pulata, Bahem, Kolzman, Shasukim, Datam, Uvinatam, Tabotalam. Tant qu'ils sont occupés à profiter de la vie, profiter de ce monde. C'est-à-dire que si ils passent tout à Chorma, peut-être sous l'emprise des clipotes, et tsema chorma, l'essence de chorma, n'est jamais sous l'emprise des clipotes. Au mieux, il est en sommeil. Rien de plus. Et c'est intéressant de le savoir, parce que du coup, on sait que il va falloir activer
exploiter Etzema Chochma pour qu'il reprenne le contrôle. Etzema Chochma n'a jamais été sous le contrôle des Klipot, donc il est capable de reprendre le contrôle. Ah, mais lorsqu'on en vient à une épreuve qui engage du coup notre Emouna, l'épreuve de vérité. Tu veux être juif ou goy? Tout le monde déclara, je veux être juif. Alors tout le monde, à la rove, d'une manière générale, comme le Morazakan avait déjà dit dans les prakim précédents, parce que nous avons quand même notre Bechira Chofshit. On ne nous a pas enlevé notre libre arbitre avec cet Avam Souteret. Évidemment qu'il a pu arriver aussi dans l'histoire que l'on ait voulu obliger quelqu'un à se prosterner devant une idole, sinon on va l'exécuter. Il s'est prosterné devant l'idole, ça a pu arriver. Mais en soi, un juif est capable de surmonter cette épreuve et de mourir plutôt que de se convertir, plutôt que d'abandonner à Kadosh Baruch Hu de façon aussi claire. Là, c'est le moment de vérité. Quand quelqu'un veut transgresser Shabbat, se marier avec une goya ou manger pas kasher, son Yetzer Hara a pu lui faire croire qu'il était resté un bon juif. Mais là, s'il doit être amené dans une église, se convertir ou se prosterner devant une idole, son Yetzer Hara n'arrivera pas à lui dire « Tu sais, tu restes un bon juif, hein, ne t'inquiète pas. » Là, il sait très bien qu'il a perdu d'avance. Et c'est là que se réveillera Etzem HaChokhma, l'essence de Chokhma. Venaga Adam Nefesh Iprinat Chokhma Sheva. Alors cela va toucher Chokhma. Chokhma se réveille dans une situation d'urgence. Zaineura Mishnata. Alors elle se réveille de son sommeil. Upo Elet Pulata Bekoach Hashem Amlu Bashba. Elle va avoir l'impact qu'on attend. C'est-à-dire qu'elle va reprendre le contrôle de Itpashtuta Chokhma, de Chokhma dans son implication vers les autres membres du corps. Reprendre le contrôle de Masé, Dibour, Marshaba, des pensées, des paroles et des actions. Comme Oshkatu Veikatz Keyash Hashem. Comme dit le Pasuk, Dieu s'est réveillé. Un Pasuk dans les Télim qui dit Dieu s'est réveillé comme que s'est réveillé de son sommeil. Dieu se réveille maintenant, il y a des moments où il dort. On ne parle pas de Dieu, on parle de Hashem Shebekir Becha, du Dieu, de la partie de Dieu qui est en toi, de Chochma Shebenefesh qui est investi par Or Ein Sof, par la lumière infinie de Dieu, et qui du coup va se réveiller dans ces situations extrêmes. La mode Benisayon Bemunat Hashem, et qui va te permettre de vaincre, de surmonter l'épreuve des Munat Hashem, Belishum Ta'am Vadat, et Serel Musaglo. Au-delà de la logique et de la raison, il n'y a pas de pourquoi cela, c'est parce que c'est comme ça et pas autrement. L'idgaber à la clipote, surmonter les clipotes, v'tavot olamazé, tous les désirs de ce monde, beheter, beissour, shogalbaim, que ce soit les désirs permis ou interdits, comme nous avons déjà expliqué dans les prakim précédents, que ce soit permis ou interdit, ça ne change pas grand-chose sur place. Sur place, on a tout de même basculé du côté des clipotes, les conséquences sont différentes, mais sur place, on a désobéi. Lim osbaim. Et lorsque Chokhma Shubenefesh s'est réveillé, alors tout cela te dégoûte. Nifror lo Hashem mechelko goralo, de choisir à Kadosh Baruch Hu sa part, son goral. Encore une fois, la traduction ne nous apporte pas grand-chose. Qu'est-ce que le Morazakan veut dire lorsqu'il parle de chelek et goral? Sa part, son choix, sa part, que ce soit conscient ou subconscient. Voilà de quoi il veut parler. Goral, c'est au-delà de la logique et de la raison. En subconscient, sur le mode, que ce soit en pleine conscience ou en subconscience, je choisis Akadosh Baruch Hu. Voilà de quoi est capable Chokhma Shebenefesh. Voilà le potentiel que nous avons en nous, l'imsor lo nafsho al kedushat shemo, et de pouvoir être prêt à donner sa vie pour Akadosh Baruch Hu, même si jusqu'à présent il n'a jamais été pratiquant, même si jusqu'à présent il n'a jamais vraiment déclaré son amour pour Akadosh Baruch Hu. Il y a beaucoup d'histoires qui peuvent illustrer cette idée dont nous parle ici l'Admor Hazaken, surtout des histoires de l'époque des cantonistes. La Xéra des cantonistes, c'est une Xéra qui a eu lieu à l'époque du Tzemar Tzedek, lorsque le Tsar a pensé en finir avec Lubavitch, avec les Chassidim en général, avec le judaïsme, de façon encore plus générale, en kidnappant les enfants dès leur plus jeune âge, vers 8-9 ans, en les éduquant dans une sorte de grand orphelinat militaire, et d'en faire des soldats pour les 30 années à venir. Ils étaient libérés à 45 ou à 50 ans, enfin un âge assez avancé, et pendant tout ce temps-là, bien sûr, ils n'avaient pas eu accès à l'éducation juive auquel ils auraient pu, dont ils auraient pu bénéficier. Le tsar lui-même avait compris que si l'on veut éliminer le peuple juif, eh bien, il faut éviter d'éduquer les enfants. Si les enfants ne sont pas éduqués convenablement, il a pensé que ce serait gagné, s'ils n'ont pas l'éducation adéquate. En vérité, il s'est trompé, je vais vous raconter quelques histoires tout de suite, qui montrent que, finalement, son projet n'a pas pu se réaliser parce que nous avons en nous cette flamme qui dépasse la logique et la raison, même si on n'a pas eu l'éducation adéquate, même si on n'a jamais été éduqué dans la bonne direction, on est capable de développer Chokhma Shebenefesh. Alors, l'histoire raconte que un des chassidim habitait à Peterbourg et il avait l'habitude d'héberger pour Pessah des soldats. Parmi eux, deux soldats qui avaient été engagés, donc comme ça, dès leur plus jeune âge, des cantonistes. Dès leur plus jeune âge, ils avaient été engagés dans l'armée russe.
quand ils ont grandi et qu'on leur a permis de célébrer leur fête parce qu'ils en avaient exprimé le désir. Alors pourquoi pas, ils étaient invités à Peterbourg, chez un des Chassidim, la première fête de Pessah. Les deuxièmes fêtes de Pessah, ils ne sont pas venus. Et finalement, l'un des soldats est venu rencontrer ce Chassid pour lui expliquer ce qui s'était passé. La hiérarchie militaire avait voulu faire pression sur son ami pour qu'il se convertisse. Et il lui a expliqué, c'était pendant la mois de Pessah, que au départ il leur a dit qu'il le ferait, mais finalement il a regretté. Il pense qu'il n'arrivera pas à se convertir, c'est plus fort que lui, il préfère se suicider que de se convertir. Alors son ami a essayé de lui dire, mais non, tu ne peux pas faire ça, on n'a pas le droit non plus de se suicider. Il me semble que c'est même interdit par notre Torah. Et il n'a rien voulu entendre. Et lorsqu'ils sont passés au-dessus d'un pont, il a décidé de sauter par-dessus la barrière. Et même si les autres soldats ont essayé de le repêcher, ils l'ont repêché, mais c'était trop tard, il s'était déjà noyé. Et voilà ce qui s'est passé pendant Pessah. Et ils ont beaucoup pleuré parce qu'ils le connaissaient, ce soldat. Ils ont eu beaucoup de peine pour lui. Puis les mois sont passés. La cinquième bougie de Chanukah, donc de l'année suivante, ce chassid de Peterbourg est allé à Lubavitch. Il a rencontré là-bas le Tzemar Tzedek. Il était reçu en Yechidut. Tzemar Tzedek lui a dit, quelle nouvelle? Et il a dit, j'ai pas de nouvelles particulières à vous raconter. Il aurait bien insisté. T'es sûr, t'as pas des nouvelles à me raconter? Et finalement, il s'est rappelé de cette histoire et il l'a raconté au Tzemar Tzedek. Le Tzemar Tzedek lui a dit, tu vas faire vivre. Qu'est-ce que je peux te donner? Qu'est-ce que je peux t'offrir pour te récompenser et te féliciter pour ce que tu viens de me raconter? Tu sais quoi? Je vais te raconter deux histoires du Maguide de Mezritch. Il lui a raconté deux histoires. Bon, à part le fait que ça nous apprend combien les histoires sont importantes, combien les histoires ont de valeur, mais au-delà de cela, ça c'est plutôt anecdotique. C'est combien un juif est prêt, même s'il n'a pas eu l'éducation adéquate. On parle pas d'un Rosh Yeshiva, de quelqu'un qui a beaucoup étudié la Torah et qui est prêt à donner sa vie pour Dieu avec raison et logique. C'est au-delà de la raison et de la logique. C'est comme ça et pas autrement. Une autre fois, lorsque le rabbi de Tzemar Tzedek était en déplacement à Kronstadt, là-bas, il a rencontré aussi des cantonistes qui s'étaient réunis pour l'occasion. Le rabbi de Tzemar Tzedek leur a parlé. Il a dit un mahamar en yiddish pour que tout le monde comprenne. Et finalement, à la fin de l'entretien, il leur a dit que même si le tsar demande de se convertir, chas v'shalom, eh bien c'est une obligation pour chaque juif que d'accepter de mourir plutôt que de se convertir. Et il a demandé que l'on diffuse cela auprès de tous les soldats cantonistes. Et ça a fait tellement de bruit que le Tzemar Tzedek a été mis sous surveillance policière. On a pensé qu'il s'agissait d'un rebelle. Et voilà, ça lui a causé quelques histoires avec la police. Mais voilà, ça a duré que 6 mois. Et finalement, ils l'ont finalement laissé tranquille. 5 ans plus tard, il y a eu un exercice militaire devant le tsar. Et au cours de cet exercice, les soldats ont montré de quoi ils étaient capables, de nager dans la mer, de traverser des fleuves, de faire ce genre de choses. Un exercice militaire pour montrer au tsar quelles étaient leurs compétences. Le tsar était très impressionné et il a demandé à ce peloton d'élite de se présenter devant lui, de se rapprocher. Il leur a demandé leur nom. Alors il a dit, toi, comment tu t'appelles? Il s'attendait à ce qu'ils lui disent Ivan, Igor ou Stéphane. Et quand le premier lui a dit, moi, je m'appelle Yankel, déjà il se sentait mal. Quand il a demandé au deuxième et qu'il lui a dit, moi, je m'appelle Berel, alors, il a commencé à vraiment se sentir mal. Et quand le troisième et le quatrième ont dit Rachkel et je ne sais quoi, encore d'autres noms juifs, alors il a compris ce qui se passait. Il est rentré dans une colère pas possible. Il a dit, je vous ordonne de vous convertir sur place. Et les soldats, 5 ans après, se sont rappelés de ce que leur avait dit le Tzemar Tzedek. Et ils ont dit au tsar, il y a un rabbi de Lubavitch qui est venu il y a 5 ans et il nous a dit que même si vous, le tsar, vous décidez, vous avez nous demandé de nous convertir, eh bien nous devons refuser, même si ça doit nous coûter la vie. Ils ont tous couru, ils sont allés sauter dans l'eau et ils se sont noyés pour ne pas avoir à se convertir. Voilà de quoi nous sommes capables. Nous avons cela en nous. Ce n'est pas quelque chose que nous avons construit. Ce n'est pas quelque chose que nous avons obtenu par notre effort. Nous l'avons en héritage. Et encore une fois, je le répète parce que c'est ce que dans cette direction que l'Admor HaZaken nous emmène. Nous allons apprendre à exploiter cette disposition au quotidien. Imaginez si on peut exploiter cette disposition de se rapprocher de Dieu, d'être prêt à donner notre vie pour Dieu au quotidien. Alors nous allons, c'est sûr, devenir des Bénanim. Nous verrons la suite la prochaine fois. Bezrat Hashem. Passez une bonne journée.